Bienvenue sur Sirène Caméra Officielle pour cette nouvelle vidéo. Bonjour et merci à ceux qui me suivent et me soutiennent. À la une aujourd'hui, donc une dame dont je tenais absolument à faire la biographie, celle qu'on appelle affectueusement aussi BP la bouche pointue, j'ai nommé Dame Eunice Zunon. Eunice Zunon est issue d'une famille dont les membres exercent en majorité dans le domaine juridique. Eunice Zunon, qui a aussi suivi une formation en droit au FUPA, était promue à un bel avenir de magistrat. Du moins, telle était l'attente de son père. Cinquième d'une famille de 9 enfants, Eunice Zunon Christiane Justine est née le 21 mai 1995 au CHU de Yopougon. Son prénom Justine, elle le tient de sa grand-mère, Feu Dogbo Gbagbo Justine, ex-secrétaire de direction à RTI Boaké. Entre ses cours de droit et ses différentes activités commerciales, la jeune demoiselle se découvre une nouvelle passion, la web comédie. En mai 2017, elle se lance dans une aventure sur les réseaux sociaux avec ses vidéos montages hilarants sur l'actualité des personnalités publiques. Méconnue des internautes, ses vidéos récoltent à peine quelques likes, suivies parfois de quelques commentaires désobligeants de certains followers. Ces derniers, la reine des affairages les considère comme des frustrés. Imperméable aux critiques et menaces, Eunice ne lâche rien. Pire, elle est sur tous les buzz, tournant dans une parfaite dérision les clashs entre certains acteurs très célèbres du coupé décalé. Petit à petit, la web comédienne au teint ébène commence à se faire une place de choix dans la vidéosphère. Elle se fait une bonne cote sur les réseaux sociaux. Les vidéos, c'est bien, mais Eunice voit beaucoup plus loin. Pourquoi pas la scène? Pour faciliter son entrée dans le milieu humoristique, elle s'attache à l'humoriste Le Magnifique, un devancier qui deviendra son mentor. En 2018, elle fait un premier passage remarquable au Parlement du Rire sur la chaîne Canal+. Ivre de sa passion, elle enchaîne prestation sur prestation. Le 24 juillet 2019, dans un one-man show impeccablement concocté sur sa page Facebook, elle fait montre de son tout savoir-faire et conquiert davantage le cœur des internautes. En décembre 2019, elle fait sa toute première apparition sur le plateau de Bonjour. Toujours fidèle à ses vidéos comiques, Eunice Zunon s'inscrit au compteur des personnalités publiques les plus suivies en Côte d'Ivoire. Son audience, aussi large que variée, lui vaut son titre d'influenceuse. Elle est prisée par les marques qui la sollicitent pour leur publicité, aussi bien sur sa page que sur le grand écran. Dans le courant de sa carrière, notre guerrière Bété Gouro se découvre un peu plus. Elle veut s'essayer à la musique. En mai 2019, elle sort Les Aventurières, son tout premier single. Puis s'ensuit Thank You en novembre 2019 et son tout dernier Je S. Wizzo en février 2020. Des prix, Eunice Zunon en a glanée, s'offrant ainsi une collection bien garnie de trophées. Best Young Comedian à African Talent Award en 2018. Lauréate au Tazama Festival du film des femmes africaines en 2019. Meilleur humoriste web 2019 Ivoire Humour. Primude 2019 Révélation Humour. Prix Prestige Espoir en 2020. La web comédienne, humoriste et influenceuse Eunice Zunon Christiane Justine a été recrutée comme chroniqueuse par la troisième chaîne de télévision ivoirienne. Comme on le sait aussi depuis pas mal de temps, Eunice Zunon est également officiellement donc la compagne, la future épouse de Ténor, la star camerounaise Ténor. Donc, ils sont en couple ensemble, comme on le sait. On leur souhaite bien des choses. Donc, je vous remercie d'avoir visionné. N'oubliez pas, likez, partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous. Activez la petite clochette bleue
pour ne rien manquer. Je suis très contente vraiment d'avoir fait cette bio parce que Eunice Junot est donc quelqu'un que je suis et que j'apprécie, j'admire son parcours. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.